Ça fait 20 minutes que j'attends Alan, je me suis garé là-bas au fond. Je me suis mis là, j'espère qu'il va arriver. Ça fait au moins 25 minutes que j'attends, 20-25 minutes. J'ai fait déjà 4 prises au moins. Ah, bah c'est la bonne. Wow! Pas j'ai mal, hein? Huile, hein. J'ai mis trop d'huile. Ouais, ça fume. Hein. Ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, tu vas me suivre, bah, tu vas monter derrière moi tout simplement, oh là là Jérôme. Là. Ouais. Et puis je vais te présenter ce que c'est, mais en gros, normalement comme ça, tu reconnais ce que c'est. Bah, ça ressemble à une 125 de ce que t'avais avant. C'est une 125. Mais. Je sais pas, il y a un phare et tout. Ouais. Ah, ok. Bon, mais vas-y. Derrière moi, t'inquiète pas, je vais te montrer ce que c'est. T'as ma casquette. Oh, ta casquette. Tip top. Il y a un camion qui a failli rouler dessus par contre. Ouais, bah c'est ce que j'ai vu. Bon alors, présente-nous tout ça. Attends, déjà je trouve le point mort. Voilà. Salut Dave. Ah. Salut Cobb. Comment est-ce que le patron est là. Salut ça Jérôme. Va. Ça va. Ça va Cobb. Salut toi. Ça va Cobb. Toujours tout nu. Attends, je vais mettre ma casquette parce que là, ça me saoule d'avoir un casque. Dave, montre un peu ce que c'est, non? Alors, je vous explique, les enfants. C'est une 125 YZE. Ça veut dire, Jérôme? Homologué. Homologué. Exactement, ouais. Oui. Voilà. Non, en gros, c'est homologué. Ça veut dire que tu as une 125 YZ. Ouais. Pure cross. Ouais. Avec une plaque avant, une bavette et une plaque. Et des clignotants. Et des clignotants. Et j'ai mis un rétro aussi. Parce que et ça. Voilà, full homologué. La classe, hein. T'as le compteur de vitesse. Ouais, t'as le compteur, t'as le klaxon, là, il marche pas parce que... On l'a pas mis. On l'a pas mis. Mais regarde, pour activer l'homologation, en gros, le compteur et tout, t'as un petit bouton, là, regarde. Attends, je fais le tour. T'as un petit bouton, là, un on-off, regarde. Hop. Et là, regarde, le compteur s'allume. Après, okay. T'as tes clignotants, hop. Hop. Ouais. Je sais pas si tu vois, mais bon. Une petite batterie, en fait, Jérôme, sous la selle, une toute petite batterie qui te permet de fournir... On a déjà tout regardé, ce qu'il y avait, en gros. Ok. Et là, aujourd'hui, bon, tu peux remarquer, si tu prends du recul, qu'elle est pas très belle. Je veux pas te mentir. Je dirais même qu'elle est dégueulasse, tu vois. Ça change, ça change. Bah ouais. T'aimes bien, toi, quand t'es acheté quand elles sont dégueulasses, j'ai l'impression. Voilà. Et comme j'aime bien faire, eh ben, on va faire. Tu vois ce que je veux dire? Oh oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. En gros, on va la refaire toute bien, quoi. On va changer la boîte à air, on va mettre les nouvelles. Ouais. D'ailleurs, sur la chaîne de Dave... Il y aura comment en gros transformer un modèle voilà. 2010 en 2015. Comme, ouais, parce qu'à partir de 2015, les boîtes à air, c'est plus les mêmes. Là, le derrière, ça s'affine, tout ça. Mais ça existe des kits pour transformer, on est d'accord. Bah, j'en ai un là. J'en ai un là, ici, regarde. Ah. Ok. Ah ouais. Wow, pas mal les plastiques. Hein. Wow. T'as vu, j'ai fait un kit déco perso, mais la plaque avant, on va pas pouvoir la mettre, malheureusement. Putain. Ah bah, vu qu'il y a le phare. Alors ça, c'est les nouveaux garde-boue. Ouais, pas mal. Voilà. Et ça, c'est pour l'arrière, regarde, la boîte à air. C'est le kit qui te vend. Donc tu gardes la même boîte à air. Ouais, c'est tu juste changes, le cache. Tu changes que le cache ici, en fait. Voilà, le cache ici. Là, voilà, et après, à l'arrière, bah t'as des plastiques comme ça, là. Voilà. Ah ouais. Ici, c'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est 2016 que ça devient. Ça. 2015, je crois. Ça, et ça devient à partir de 2015, elles sont comme ça. Voilà. Ah, ok. On va peindre les jantes en noir, même si c'est des Excel, on en a rien à foutre. Ouais. Voilà, je vais peindre... On s'en fout. Je vais peindre mon guidon aussi parce qu'il est bleu, j'aime pas trop. Et j'ai fait faire un kit déco perso. Tip top. Ça fait super longtemps que je l'ai d'ailleurs. Alors ça, c'est ma housse de sel. Wow. Oh. Tu vois, Yamaha. Ouais. Et ça, après, bah, là-dedans, il y a le kit déco. Mais bon, là, tu vas pas pouvoir trop te rendre compte. C'est quand on va le mettre en place. T'as fait ça chez BTB? Ouais, bah oui, comme d'habitude. Hein. Tu vois, ça c'est le côté en gros. Ah ouais, à l'ancienne. Voilà, c'est un réplica à l'ancienne modifié à ma sauce. J'ai mis des palmiers et tout. Tu vois ce que je veux dire, Jérôme? Ouais. Donc là, ce qu'on va faire. Tu vas le laver. Karcher, Cobb il l'a déjà installé. Voilà. Merci Cobb. Il est sympa, hein. Mais il parle pas beaucoup. Non, un peu discret. Voilà. Donc je vais prendre la moto Karcher, tout neuf. Hop, on démonte tout avec Dave.
Dave, il vous explique sur sa chaîne comment mettre l'arrière pour secouer une 125 pour la maquiller en gros en 2015. Et ça marche même avec les modèles 2003-2004. Hein. Et moi, j'ai une petite question à te poser. Ouais. C'est, là, tu as pris donc tout le kit plastique en blanc, machin et tout. Et ton réservoir, tu vas faire comment? Le kit déco, il va dessus, ça se verra pas trop. Et le kit déco, il est violet, rouge et bleu. Donc, mais de toute façon, je peindrai jamais le réservoir. Bah impossible. Ouais, ouais, non, mais c'est un, ça. Un réservoir, ça vaut 300 balles, je peux pas le peindre. Impossible. Mais au pire, ça fera. Ça fera toujours mieux que comme ça. Voilà. Ouais. Pas convaincu, Dave. Ouais, non. Non, moi je pense que, non, moi, vu le kit déco, je l'ai vu moi déjà, j'ai trouvé ça cool. Je pense qu'il peut bien rendre. C'est le client, moi, c'est tout. Voilà, chacun ses goûts. Hein. Ah oui, oui. Fais ton boulot, mon pote. Ouais, ouais. Et bon, bah voilà, Jérôme, hein, je vais laver ça. Tu mettras 2-3 cinématiques. Ouais, cinématiques. Je sais pas quoi. Et on va continuer le vlog comme ça. Là, je vais aller acheter de la peinture. Parce qu'on a toujours pas de pistolet à peinture. Ah! Comment ça se fait, Dave? On n'est pas peintre, nous. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, à tout de suite. Toute belle, hein? Et crois pas que je mets du produit à vitre, hein. C'est un produit qui est dedans, si jamais. Ouais, bah ouais. Mais là, je vais avoir fini, de toute façon, étant donné que tu t'es absenté 40 minutes. Ouais, bah, c'est le travail, hein. Là, je mets le dernier coup de Karcher, de toute façon. Ouais. On la rentre. Allez, vas-y. On commence le démontage. Ouais. Et voilà, quoi. Voilà, là, on va dire que c'est bon. Tu peux regarder, hein, tu sais. Ah ouais, tous les propre, plastiques qui vont être changés. Ouais, donc on s'en fout. Je vais le peindre en noir comme les origines. Les pièces là, je vais les peindre, les grises là. Tu vas pas, ouais. Les jantes aussi. Oh, on a du taf quoi. En gros, là, Dave, il va faire le bon esclave, il va tout démonter. T'es pas cool. Il est pas là là encore. Ah bah ouais. Mais dès qu'il arrive, hop. Lui, ça aurait été que je la mette là. Tu la mettre où? Là, là. Ouais, ouais. Là, c'est tip-top. Pourquoi? Tu veux pas le mettre au milieu? Ici, j'aime pas, ça porte mal. Ah, voilà. Ah. Voilà, voilà. On fait quoi? On s'attelle au démontage? Là, on va démonter ça, les plastiques d'abord, et après les jantes. Nickel. Et voilà. Hop là. Ça, ça rigole plus en fait, c'est même plus Dave qui travaille, c'est toi tout seul. Il est pas là, on prend le relais mon pote. Hein. Eh. On croit pas non plus que c'est le meilleur mécanicien du monde. Ouais, Charlot. Ouais. Tout ce qu'il fait, je peux le faire. Ah oui, c'est toi qui lui as enseigné les cordes alors. Ouais. J'aime pas ces vis qui sont... Ah voilà, très bien. Tout est tombé. On a tout fait tomber, ça allait où ça, bordel? Ça allait là, 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 mais c'est la vis que... Ah non. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Des fois, je comprends peut-être pourquoi Dave il est mécano et pas toi. Hein. Gilet. Tu vois, ça c'est tout ce qui va avec la batterie et tout, mais ça, tu vas y voir comment on va démonter la selle. Tu les as mis où les autres plastiques? Ça c'est celle que je vais mettre en gros, c'est les nouvelles à partir de 2015, voilà. Oh, pas mal. Ça va te sel. Au moins il n'y a pas de bleu, parce que là il n'y aura plus trop de bleu sur la moto. Le seul truc bleu ce sera ça je crois. Le secteur de vitesse. Voilà, on a peint le réservoir en blanc. La peinture est un peu dégueulasse, mais étant donné qu'il y aura le kit déco dessus, ça se verra pas. Ça c'est les anciennes mousses que j'avais, Yamaha d'origine. Si ouais. Quelqu'un en veut une, il me le dit dans les commentaires. Voilà. Il m'en reste deux, je peux envoyer les deux. De toute façon ça coûte que dalle d'envoyer ça par la poste. Bah... Je choisirai quelqu'un dans les coms, ça marche. Tip top. Voilà. Du coup, GG, je t'explique. Donc, on a changé, comme tu peux voir, de plateau là. On a mis le nouveau garde-boue arrière avec la belle plaque. Là, j'ai fait mes raccords avec. Tu les reconnais, ceux-là? Ouais, c'était le truc astuce là. Voilà. Ça, c'est top. Et puis là, on va remettre le guidon en place, remettre les roues, le réservoir, le nouveau kit plastique. Et on fait quoi? Le kit déco, on colle à la fin ou... Ouais, à la fin, à ça la fera fin. Mieux. Ouais. Ah, ça fera stylé. Eh bah c'est bon, c'est parti. J'ai un peu trop de nœuds dans dos, j'bute le game à pour du god. Le shit de Ketama Bentala. 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 Salam et ton bourbobot.
K.O.I. comme un Baltimore. T'attends la sortie de Dope Boy. J'attends voilà, la sortie Jérôme, c'est terminé. Je sais pas ce que t'en penses, de toute façon ton avis je m'en moque. Oui bah oui de toute façon, voilà. Donc, je sais même pas pourquoi j'ai répondu. Ah attends, faut montrer l'autre côté aussi. Montre tout ce que tu veux. Y a pas de souci. On n'a pas le réservoir un peu à la dégueulasse. Ouais mais c'est étant donné qu'il y a les kits déco dessus, ça se voit pas trop, tu vois. Et voilà, je t'explique en gros ce qui a été fait, peinture des jantes, on a mis la nouvelle boîte à air. Mais tu crois que les gens ils ont pas vu la vidéo quoi? Non mais en gros pour expliquer. Ah. C'est comme pour la 85CR. Ceux qui savent pas comment bien mettre la boîte à air, là, vu que ce sera mis en accéléré un peu, vous avez juste à aller sur la chaîne à Dave TCQR, en gros, il explique comment faire, c'est super simple. En détail. Et puis, voilà, ça peut rajeunir votre YZ. Moi, par exemple, c'est un 2010, tu vois. Et là, on dirait un 2015, en fait. Ouais, ou un 1980. Ouais. Bref, taille pas ma YZ. Et voilà, peinture des jantes, il y a tout l'esthétique qui a été refait. On a peint le guidon. Regarde, le guidon, ça, c'est propre, tu vois, c'est pas dégueulasse. Voilà, on avait peint les petits trucs que je t'ai dit, le guide chaîne il a été changé pour un origine. Ok. Voilà. On a le. Ouais, j'ai la chaîne que je vais changer parce qu'elle est dégueulasse. Et t'as fait un tuning de l'ampoule là, Joao ou... Non, l'ampoule elle est tombée à force de faire des wheeling. Ah. Elle a pas tenu. Mais pas bon, de choc. C'est à peu près tout ce que j'ai à te dire. Le kit déco, s'il y en a qui le veulent, il est dispo sur BTB Graphique. Il y a tous les kits déco d'origine sur btbgraphique.com, il me semble que c'est. Ouais. Et voilà, t'as moins 10%. Voilà, t'as moins 10%, de toute façon on mettra le site, t'as moins 10% sur tout le site avec le code WIDI10. Voilà. J'espère que je vais devoir tourner avec le gilet pare-balles et la cagoule quand même. Ouais, t'inquiète. Et puis bah voilà, t'as tous les kits déco sur le site d'origine, il peut t'en faire des persos comme celui-là. Ouais, il y a même des 2020 aussi, non? Ouais, il y a les 2020. Vu qu'il y a les modèles 2020 qui viennent d'être annoncés, lui il a réussi à faire les kits déco 2020. Il est rapide. Il est très très rapide, il est très très fort, c'est un magicien. Et puis bon, de toute façon on se retrouve plus tard, comme d'hab. Là on est dimanche, on se retrouve mercredi. Allez. Le shit de Ketama Bentala. Le shit de Ketama Bentala. Le shit de Ketama Bentala.